Dominique Lamarre de chez Remax, petite mise à jour sur le marché 2018, à savoir avec l'année incroyable qu'on a eue l'année dernière, on s'attend à la même chose pour cette année et même plus encore des hausses de prix, hausses de ventes à peu près 5% cette année, on planifie, et des hausses de prix d'à peu près 5% pour les maisons, peut-être 3% pour les condos, dépendamment des secteurs bien sûr, et déjà on ressent la force du marché à l'heure actuelle. En 2018, au 30 janvier 2018, il est actuellement 4h15, 1262 propriétés de vendues. Quand on compare à 2017, 1132 propriétés en 2017, ce qui est une hausse de 111,30%, ce qui est pas rien. Par contre, ce qui est encore plus intéressant n'est pas le nombre de transactions qu'on a eues depuis le début de l'année, puis ça continue à augmenter, là, jusqu'à demain, ça devrait augmenter encore de quelques dizaines de propriétés, mais c'est les nouvelles inscriptions. Donc, combien de nouvelles propriétés ont été mises en marché au mois de janvier 2018 comparativement au mois de janvier 2017? En 2018, à l'heure actuelle, 2825 nouvelles propriétés mises en vente sur l'île du Grand Montréal. Si on regarde en 2017, on parle de 3192 propriétés. Donc 88% moins de propriétés. Dans le fond, il y a environ un 12, 11% de moins de propriétés sur le marché à l'heure actuelle. Ce qui veut dire moins de propriétés sur le marché, plus de ventes, plus d'argent dans vos poches. Je vais continuer à vous donner des petits updates comme ça sur le marché tout au long de l'année pour être certain que vous puissiez en tirer le maximum aussi de votre côté. Sur ce, bonne vente!